chez le gouverneur de la province du Kasaï Oriental. Excellence. Excellence, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, nous sommes dans la grande joie, nous, du Kasaï Oriental, pour votre présence dans notre province. Et pour cette présence, on dit en français l'occasion faisant les larrons, nous avons d'abord commencé par vous remercier. Et nous profitons pour témoigner notre volonté en tant que gouvernement provincial d'être vos ambassadeurs dans tous les combats que vous menez pour les droits de la femme RD congolaise. Donc le gouvernement provincial, par mon biais, vous rassure de notre accompagnement dans le combat que vous menez pour la promotion des droits de la femme RD congolaise. D'une pierre, nous faisons aussi plusieurs coups. Profitant toujours de votre présence, nous faisons un plaidoyer en faveur de la femme est-kassaïenne qui a besoin de l'encadrement, de la formation, des outils ou kits d'autonomisation, ainsi que des canaux par lesquels elle peut dénoncer. Je m'adresse maintenant à la femme est-kassaïenne. Très chère maman, croyez en vous d'abord. Croyez à tout ce que vous avez comme potentiel. Saisissez toutes les opportunités. Regardez seulement l'équipe qui accompagne Excellence à Mbujimayi. Par là, rapprochez-vous, tissez des réseaux, parce que je retiens une phrase de Papa Léon Kengo Adondo qui disait « Des relations professionnelles naissent les relations personnelles et lesquelles durent plus longtemps que les relations professionnelles. » Croyez en vous, je disais, et osez. Osez entreprendre, osez à marquer le premier pas, même si c'est pour entamer le plus long voyage et briser le silence en dénonçant. Maintenant, je m'adresse aussi aux hommes que nous sommes. Je nous demande d'offrir des chances égales aux garçons et aux jeunes filles. Vous le savez, dans certaines cultures dans notre pays, on opère parfois un choix booléen entre une fille et un garçon pour sa scolarité. J'ai étudié avec une collègue et son père a fini par dire un jour, si je savais, j'offrirais les mêmes opportunités à mes filles qu'aux garçons. Parce que, in fine, le papa s'était rendu compte que c'était plus les filles qui avaient évolué que les garçons. Pourtant, il avait investi plus de moyens dans l'éducation des garçons.
Là, c'est ce que je demande premièrement aux hommes. Aussi, ou ensuite aux hommes, décourageons les mariages prohibés des filles. Et enfin, arrêtons avec les violences basées sur les genres. C'est avec une grande fierté que nous clôturons ce mois des droits des femmes, édition 2024 en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental. Ce mois a été l'occasion de célébrer les réalisations, la résilience et la lutte acharnée des femmes congolaises pour l'égalité, la justice et les progrès.